Coucou, allez, on va aller sur un tirage à choix. Est-ce que ce que tu vis en vaut la peine? Est-ce que les sacrifices que tu fais, l'attente que tu as, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle ou en fait tu dois et tu vas devoir passer à autre chose? Est-ce que tout ça est toxique? Ou est-ce qu'effectivement il a besoin ou elle a besoin de se mettre un petit peu en attente, travailler sur lui, sur elle. Tout cas, on va aller voir comment tout ça se boutique pour toi si à un moment donné, il faut pas prendre une décision. Parce que parfois, il faut savoir prendre des décisions, écouter un peu plus sa raison que son cœur, même si parfois ton cœur te crie son prénom. On te dit bien que c'est pas toujours le cas et que parfois, il faut pas retenter quoi que ce soit si il ou elle est parti. Ou ça peut être une rencontre hein, aussi, pour toi qui es célibataire. Je n'oublie pas nos amis célibataires aussi. En tout cas, ça va répondre à clairement pas mal de tes questions. Tu vois, il y a trois tas. Je suis en train de te les recouvrir. Donc, je vais te les montrer juste après. Panique pas. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire le tas qui va un peu plus te parler. Celui qui va te faire de l'œil hein, pour pouvoir retrouver la vidéo qui sera une partie 2. Bah oui, parce que je ne peux pas tout mettre dans celle-ci. Pour avoir ton résultat. Donc t'hésite pas. Regarde ce que je vais faire, si je vais mettre une petite pierre. Hop, sur le tas numéro 1, le tas numéro 2, hop là. Et puis regarde, j'ai un petit pendentif ici. Toc. Hop là. Regarde, on prend de la hauteur, n'aie pas le vertige, on y va. Hop là. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Je te laisse. Prendre le temps, penser à ce qui t'interroge, à ton problème du moment. Tu prends une bonne respiration et tu vas vers celui qui te parle le plus. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on se retrouve en partie 2.